a fait ça? C'est un truc de ouf. Un homme qui multiplie de l'argent. Waouh! Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Moi je n'ai jamais vu ça. Ce que nous allons voir ici, c'est hors du commun. S'il vous plaît mes frères et sœurs, ne cherchez pas à représenter cela ou encore à refaire ça. Ou bien à chercher à savoir comment on fait pour avoir de tels pouvoirs. Ce sont des choses hors du commun. Ici, nous allons découvrir des choses qui vont vous étonner. Vous savez, pour avoir de l'argent, il faut travailler dur. Et ça, c'est une bonne affaire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui veulent vous mettre en contact avec la facilité. Juste pour avoir quoi? L'argent facile. C'est même ça, l'argent mystique. Ou encore l'argent des démons. Ce que nous allons voir ici, ma frère, ça, c'est hors du commun. Si vous savez que vous avez peur des choses mystérieuses, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Parce que ce que nous allons voir maintenant, c'est hors du commun. Un homme qui a du super pouvoir. Cet homme est ici. Et cet homme utilise sa méthode, ses pouvoirs pour juste multiplier des pieds de banque. Il multiplie des pieds de banque. Vous allez voir ça. Il prend une calebasse. Il mélange la calebasse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la calebasse. Peut-être c'est juste du papier. Il mélange comme ça. Et tout à coup, ça se transforme en billet de 1000 francs CFA. Beaucoup de billets. Et il transforme cette affaire aussi en dollars. Il multiplie les billets en dollars. En plus, il est capable de faire la même chose pour avoir des zéros. Ah, l'argent. Ce que les gens font pour avoir de l'argent, c'est hors du commun. Et après, nous allons voir une personne qui vomit de l'argent. Et nous allons aussi voir des moyens terribles qui sont en train d'être mis à jour chaque jour, juste pour pouvoir faire gagner de l'argent aux gens, quoi. Comme si la vie était facile. C'est de nos studio. Nous allons voir ça. Comme on vous l'a dit, si vous savez que vous avez peur de telles choses, s'il vous plaît, si vous savez que vous avez peur de telles choses, regardez la vidéo suivante. Parce que ça, c'est hors du commun. Que se passe-t-il à l'écran? Expliquez-moi, j'aimerais bien savoir. Là, on voit deux personnes et deux calebasses. Dans la première calebasse, cette calebasse que vous voyez là, il y a des billets de dollars qui ont été tout simplement multipliés. Et dans l'autre récipient, on voit tout simplement des billets de 1000 francs CFA. Et cette personne qui est ici est censée être un magicien qui a des super pouvoirs. Regardez, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Il lève la main vers le ciel ou bien pour nous montrer qu'il n'a rien dans la main. Et il va aussi mettre sa main dans ce récipient. Et il va se mettre à tourner le récipient d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Là, comme vous l'avez vu, le récipient est vide. Le récipient est vide. Et lui, il va multiplier des billets de banque. Bon, il va d'abord faire apparaître des billets de banque là, avant de les multiplier. Bon, regardez, lui, c'est ça comme il fait la chose. Mais c'est quand même bizarre. Regardez ça. Tout de suite, des billets apparaissent. Personne ne sait comment il a fait pour y arriver. Mais comme vous le voyez, c'est pas de la blague. Et il nous présente ça comme ça. Et comme vous pouvez voir dans la calebasse, bon, dans le récipient, on voit clairement qu'il y a de l'argent. Et cet homme multiplie de l'argent comme ça. Et il monte, il est en train de multiplier. Il prend encore un autre récipient
qui est une calebasse, et il va faire la même chose. La calebasse qui était vide va tout de suite recevoir beaucoup de billets de porc. Vous allez voir, ça, ce sont les billets de dollars. C'est la monnaie américaine. Et on nous montre des dollars. Et on nous montre, regardez bien, vous pouvez regarder, regardez très bien. Ça, ce sont les dollars qui sont là, ce sont les dollars. Waouh, dollar bills. Crazy. Regardez. Vous allez vous dire, mais comment fait-il pour faire ça? Quelle est la super série? Ah, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de menteurs dans ça. Ça là, il y a beaucoup de menteurs. Mais n'oubliez pas que l'État est au pouvoir. Tout ce que vous voulez, même si c'est beaucoup d'argent, mais c'est 1 milliard, il peut vous en donner tout de suite. Mais le problème, c'est qu'il y a des conditions derrière. Nous allons en parler tout de suite. Mais regardez encore ça. C'est hors du commun. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague. Et les gens sont là en train d'assister à la chose. Et c'est devenu un véritable business. Une manière de rigoler. Bon, ça, ce n'est pas tout. Tiens, ton ami à côté, ça, ce n'est encore rien. Freddy, tu n'as encore rien vu. Ça, ce n'est encore rien. Parce que ce que nous allons te montrer maintenant, ça arrive de te faire vomir. Ah, mon frère, ah, ma soeur, papa, maman. Si vous êtes en train de manger, s'il vous plaît, finissez votre repas rapidement et continuez la vidéo. Parce que ça, c'est vide. Mais ce qui va apparaître là-dedans, c'est hors du commun. Regardez bien. Une personne a déposé tout pareil. Et voici que cette personne qui est de l'autre côté là-bas va se mettre à tousser. C'est comme si elle se prépare à vomir, quoi. Et cette personne est habillée tout simplement en rouge. Bon, c'est pas un habillement, mais c'est un tissu rouge qui se trouve sur elle. Regardez comment cette personne est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qui peut me dire ce qu'elle est en train de faire ici? En fait, cette personne est en train de vomir de l'argent. Cette personne vomit de l'argent. Ah vraiment, ça c'est quoi son corps? Peut-être que vous n'avez pas compris, vous avez pensé que c'est de la blague, donc l'homme n'a pas vomi de l'argent. C'est mystique, regardez. Que voyez-vous? On voit beaucoup d'argent. Et cette personne nous montre des gens comme si elle extrait de cet argent de sa bouche et tout ça. Comment c'est possible? Est-ce que c'est de la blague? Ah vraiment c'est bizarre. Voici ce que les gens sont en train de faire pour avoir de l'argent et se construire des grandes maisons. Vraiment, nous devons nous en méfier quand même. Avec tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est vraiment terrible. Regardez. Ce sont des billets de banque qui sont là. Waouh. Mais quelle souffrance. Ça, c'est une vraie souffrance. Regardez comme la personne est en train d'agoniser là-bas. Ouh, ouh, ah, hi, ah. Elle s'est forcée. Ah! La vie aussi s'est forcée. Elle s'est forcée. Est-ce que tout le monde a voir l'argent? Moi, je ne comprends pas. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont se passées. Comment cette personne a-t-elle fait pour arriver au stade où elle est capable de vomir de l'argent? Ce sont des choses mystiques. C'est ce qu'on appelle les connaissances interdites. Dans les derniers temps, certaines personnes vont abandonner leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dieu lui-même te dit, travaille dur, tu vas avoir ton argent. Le diable lui te dit, ouais, c'est vrai, il a raison. Mais moi, il peut t'aider à bien travailler pour avoir de l'argent, même très facilement. Ah! Il va te montrer cet argent-là comme ça. Regardez, regardez! Beaucoup d'argent! Beaucoup va vous montrer de l'argent, va vous dire, regardez, je peux même toucher cet argent là, je peux même toucher. Regardez, oh, c'est extraordinaire. Et vous aussi, comme vous voyez ça, vous êtes là. Sérieux, le diable, c'est ce que tu peux donner, sérieux. Mais vous ne pouvez pas comprendre la conséquence qu'il y a dans ça. Vous ne savez pas à l'origine de toutes ces choses. Les gens vous montrent la richesse. Jean pour vous dire que ça va vous rendre heureux. Mais derrière tout ça, regardez ce qu'il y a là. C'est mystique. Ce sont des choses mystiques. Et on parle de calebasse magique. Calebasse magique, sérieux? Vous allez voir.
Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous allez voir, nous sommes en famille. On parle de quoi? Calebasse magique. Tout ce qui est de la magie, vous devez savoir. La magie vient du diable. La magie vient du diable. Il y a la portefeuille magique. Il y a tout ce que vous pouvez connaître. Et quand on parle de calebasse magique, voici ce que ça fait en réalité. C'est exactement ça. Waouh! Un truc hors du commun. Regardez! C'est vraiment bizarre ça. Regardez vous-même. Voici le monde dans lequel nous sommes. Un monde rempli de beaucoup de choses bizarres. Nous ne devons pas aimer de telles choses. Nous ne devons pas aller vers la facilité. Regardez cette personne qui est là. Elle rigole. Oh la joie! Oh la joie, ça fait rire souvent! Quoi? Eh bien, il y a du style ou quoi? L'argent fait rire souvent. Ah bon? Ok, regardez comme il est tout rire, il sourit. Oh, il a vu même le président, c'est comme s'il venait de voir même le président. Il rit, hein, il sourit. Hein. Waouh! Pendant que l'autre est en train de souffrir comme ça, juste pour avoir quoi que ce soit. Regardez. Oh! Ça, c'est vraiment compliqué. Ne faites jamais ça chez vous. Waouh, regardez ça. Bon, ça suffit, mon ami, ça suffit. Moi je n'aime pas voir les gens souffrir. Sous la souffrance, c'est pas bien. Ah! Vous avez vu tout ça? L'argent facile, un grand piège aujourd'hui. Pour ceux qui aiment l'argent. À la fin de la vidéo, il n'y a pas longtemps pour vous parler de ce genre de choses. Fait de l'argent, tout ça. Cette vidéo devait venir depuis, mais il n'y a pas eu le temps. Bon, c'est Dieu qui organise tout. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir, même voir, vous pouvez voir, vous pouvez regarder. Et vous comprenez automatiquement qu'il y a vraiment une chose, quelque chose qui se passe dans ce monde. Dites-moi maintenant, est-ce que vous êtes prêt à faire un pacte avec le diable pour devenir riche pendant 5 ans et mourir jeune? Est-ce qu'il y a de se passer aussi? On me dit que les gens font des pactes avec le diable pour devenir célèbre et riche et mourir jeune. Faites attention à tout ça. Dès que vous voyez un endroit où on parle de calebasse magique, méfiez-vous en même temps. Ça, c'est la mort même qui est là. La mort. Et c'est le diable. Tout ce que les humains recherchent sur la terre ne leur servira même pas à grande chose. À quoi va te servir tout cet argent que tu vas avoir de cette souffrance-là? Si tu dois même mourir dans peu de temps. À quoi va te servir tout ça? Que Dieu ait pitié de nous. Mais nous-mêmes, faisons attention à nous aussi. Ça va vraiment nous arranger. Partagez cette vidéo à vos amis et demandez-leur ce qu'ils en pensent aussi. Ça m'intéresse. C'est parti. Abonnez-vous.